Voilà, donc nous allons poursuivre nos travaux, hein, mais je tiens à rappeler et j'invite en même temps Frédéric Poupa à s'installer à la tribune, que ce séminaire est bien sûr le premier de l'axe numérique de Francophonia, qui, comme cela a été dit, regroupe une trentaine de chercheurs qui sont issus des 6 universités de la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans cet axe, nous nous intéressons à un certain nombre de questions, notamment les questions juridiques, les questions linguistiques, ça a été évoqué tout à l'heure par Giovanni, mais aussi tout ce qui concerne l'accessibilité, les humanités digitales, la coopération, la transformation numérique. Donc, à travers ce séminaire, donc, nous voulons clarifier par une approche interdisciplinaire les impacts hein, qui seraient attendus à moyen terme de l'intelligence artificielle. Nous essayons aussi de développer un socle de compréhension partagée, de nous interroger également sur les conséquences de l'intelligence artificielle pour la société. Nous savons que cette intelligence artificielle est au centre d'un certain nombre de représentations, d'imaginaires. On pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées à cette intelligence artificielle, mais aussi des risques. Hein. Je pense ici à cette phrase d'Ellul qui nous disait que la technologie, parce que l'intelligence artificielle est une technologie, est à la fois un enjeu, un défi, mais aussi un risque. Donc je pense qu'on va aujourd'hui nous interroger sur ces enjeux, sur ces défis et sur ces risques. Donc nous allons commencer par l'intervention de Frédéric Poupa, mais nous allons au cours de la journée avoir 3 ateliers aussi. Donc il y aura tout à l'heure un atelier imaginaire en circulation dans le monde francophone avec une dimension comparative. Ensuite on aura un atelier qui va porter sur l'apport des sciences humaines et sociales, impact sur les sciences humaines et sociales. Et enfin, un atelier sur éducation et traitement automatique du langage et art francophone. Et nous allons terminer avec une conférence de Thierry Ménissier, hein, que je remercie, qui a fait le déplacement depuis Grenoble. Alors, Frédéric Poupa, donc Frédéric, tu es américaine et tu me diras si je me trompe pas. Tu as fait ta thèse de doctorat en art et sciences de l'art, option design, sous la direction de Bernard Darras, oui, c'est ça. Tout le monde connaît ici, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et cette thèse portait sur les jeux vidéo pour les filles. Oui. Donc, tu t'es ensuite inscrite à l'école 42, donc une école très célèbre, dans le cursus apprentissage machine et intelligence artificielle, où tu t'es familiarisée avec différents langages comme Python, comme HTML, CSS, SQL et PHP et bien d'autres. Tu es actuellement directrice du Digital Design Lab de l'école de design de Nantes-Atlantique. Mais avant ça, tu as enseigné dans des prestigieuses écoles de design telles que Parsons School et Design, RISD. Oui, RISD. Voilà, oui. University of the Arts, INSAD et Paris College of Arts. Et tu as aussi travaillé chez Simple is Beautiful, une start-up spécialisée dans le développement et l'édition de logiciels et jeux qui sont distribués dans plusieurs App Store. Et tu as aussi travaillé chez Virtools, qui est une start-up
spécialisé dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle comme responsable Internet et communication technique. Voilà. Voilà, tu as fait plusieurs publications sur des thématiques variées comme l'apprentissage automatique, design d'interface, l'UX design, l'éthique de l'intelligence artificielle, l'IA et le genre, la modélisation 3D, et etc. J'en passe. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler, tu vas nous donner ton regard sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Et je te laisse la parole. Bonjour, bonjour. Donc oui, je suis designer de profession, spécialisée dans les expériences utilisateurs. Donc j'ai quand même un passé qui est très interdisciplinaire. Et mon travail, après avoir fait mon postdoc à l'école 42, est vraiment orienté autour de la conception des modèles d'apprentissage automatique, donc le machine learning en bon franglais. Donc, je suis là pour vous présenter un peu du travail qui n'est pas exclusivement le mien. Il y a beaucoup de théories qui existent déjà dans ce domaine. C'est un monde qui est plutôt anglo-saxon. Je fais référence au livre ici. Donc, il y a quand même un bon cursus de travail autour des problèmes que tous ces modèles d'apprentissage automatique créent à travers leur utilisation. Et un des vrais problèmes, et c'est un peu l'angle que je vais utiliser dans cette présentation, c'est les mythes qu'on crée autour des intelligences artificielles. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, c'est souvent très désincarné. On parle de quelque chose qui est dématérialisé, qui fait les choses comme par magie. Et en réalité, ça masque énormément de travail humain. C'est du travail humain, non seulement dans la partie centrale, par exemple ici, qui représente un peu la partie dématérialisée, qui va être le traitement de données, qui va être les algorithmes qui vont traiter ces données, qui vont créer un modèle prédictif. Et ça masque encore plus tous les objets physiques avec lesquels on va interagir. Ça nécessite des ordinateurs, ça nécessite des fermes de serveurs qui vont être à la disposition pour faire le traitement de ces nouvelles requêtes. Ça va faire tout un univers productif autour des, par exemple ici dans le projet de Kate Crawford. Ça va présenter tout un arsenal de production pour les speakers avec lesquels on va interagir, par exemple dans tous les traitements de chatbot comme ils s'appellent, tels que Siri, Echo, Amazon Echo, etc. Donc ce projet a comme but de montrer un peu tout ce travail, toutes ces ressources qui sont mobilisées pour quelque chose que nous considérons comme étant relativement désincarné. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a plein de définitions qui restent relativement vagues. Celle que je préfère vient de François Cholet, qui est un Français, qui travaille maintenant à Silicon Valley. C'est le créateur de Keras. Il travaille chez Google en tant qu'ingénieur autour de TensorFlow. Et il publie souvent, plutôt à travers Twitter, ses pensées autour de l'intelligence artificielle. Et une de ses commentaires les plus intéressants, je vais mettre ça là pour que je puisse le lire, je ne vais pas tout lire, hein, je vais vous laisser le plaisir de faire ça pendant que je parle, c'est surtout la manière dont lui il va définir ce que c'est de l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est l'adaptation à des inconnus dans un éventail de tâches et de domaines inconnus. L'automatisation, qui est en réalité ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation cognitive. L'automatisation consiste au mieux à traiter de manière robuste les inconnus connus sur les tâches connues. Voilà. Ce qui est déjà incroyablement difficile nécessite beaucoup de ressources dans le monde réel, qu'il s'agisse d'ingénierie ou de données.
Donc, cette idée qu'on fait de l'intelligence et les mythes qui vont s'inscrire autour de cette technologie à travers le cinéma, à travers la science-fiction, est quelque chose que les gens amènent avec eux quand ils vont interagir avec cette technologie. Et donc, c'est important de faire ce lien entre ce travail qui est à la fois fait par des humains, organisé par des humains, et donc sujet à tous les biais que les humains auront. Voilà. Donc voilà, on a différentes façons de parler de ces modèles d'apprentissage, le machine learning en particulier. Les scientifiques qui travaillent dans ce domaine, et je suis très désolée pour les experts, parce que je vais vulgariser ceci relativement fort. le machine learning s'applique à différents secteurs. Donc, quand on parle, et en particulier autour des traitements de langage, on se retrouve dans des secteurs qui vont utiliser différentes approches sur le traitement des données, sur la manière dont elles vont être traitées. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans toutes ces différentes stratégies, donc par exemple, est-ce que les données sont labellisées ou pas, est-ce qu'on est en train de faire différents types d'apprentissage comme le reinforcement learning, tous ces éléments-là passent par des méthodes de production qui sont relativement similaires, qui est plutôt ce que je présente à droite. Donc, il y a des données qu'on va récolter d'une manière ou d'une autre. Elles vont être traitées, nettoyées, parce qu'elles vont devoir suivre des règles de traitement basées sur les approches algorithmiques qu'on va appliquer à ces données. Ces trois premières phases qu'on voit ici, par exemple, ça prend environ 80% du temps d'un data scientist habituellement. Donc, les données, c'est quelque chose qui est lourd, qui est fatigant et qui est souvent sous-estimé, c'est sous-valorisé. C'est une tâche et beaucoup de biais qui vont rentrer dans nos modèles prédictifs viennent vraiment de cette première étape qui est souvent faite de manière un peu nonchalante. Donc, je parlais de biais qui vont venir dans nos modèles. Il y a certainement des experts dans les biais cognitifs dans cette audience. Essentiellement, le biais, c'est un poids disproportionné en faveur ou contre une idée, une chose, est généralement de manière fermée, préjudiciable et injuste. Ces systèmes viennent souvent à travers ce qu'on appellerait des biais cognitifs. Ce sont des éléments que nous allons utiliser d'une certaine manière pour réduire la charge de travail mental. Les biais cognitifs, on est incapable de s'en séparer. Donc l'idée qu'on va arriver vers une neutralité totale dans notre technologie est aussi improbable que penser que nous allons pouvoir ne plus avoir ces biais cognitifs qui sont en réalité très importants pour nous, pour agir dans le monde. Okay. Si vous connaissez le travail de Kahneman, essentiellement, il y a deux façons principales d'interagir dans le monde. Une qui est de le traiter de manière intuitive et à travers nos instincts. Et le deuxième qui est la pensée rationnelle. Alors, la pensée rationnelle est épuisante. Et à cause de ça, il faut vraiment le limiter aux choses qui vont être vraiment clés. Okay. Donc ces biais cognitifs, je me perds un peu entre les ordi. Donc ces biais cognitifs ont été répertoriés. Donc ceci c'est le codex des biais cognitifs qui en a recensé environ 180. Vous pouvez les trouver sur internet et avoir des descriptions, mais ça va être des biais cognitifs qu'on va mobiliser à des moments assez clés quand il faut faire du tri. Quand il y a trop d'informations et qu'il faut décider ce qui va être saillant, quand on se trouve justement devant quelque chose qui est flou et qu'on a besoin d'y attribuer du sens, quand on a besoin de décider si quelque chose est dangereux ou pas, et dernièrement, quand il y a beaucoup d'informations, on va faire le tri par les éléments qu'on va choisir de mémoriser. Qu'est-ce qui va rentrer dans nos mémoires?
Voilà. Donc, c'est important de comprendre quand on parle des biais dans la technologie, des modèles prédictifs, que l'idée de rendre ça non biaisé est quasi impossible. Voilà. Donc, je vous ai montré le schéma qui présentait un peu les étapes de création de données, les traitements, les divisions, les tests qu'on fait pour voir si les modèles fonctionnent comme ils devraient. Il y a des différents endroits où le biais peut rentrer dans la production. Donc, j'ai parlé rapidement des données et je vais donner un cas d'exemple pour vous expliquer rapidement comment les données peuvent être biaisées et où les erreurs peuvent se trouver. Il y a l'étape de vectorisation, de numérisation. Hein. Donc, les données doivent pouvoir être traitées de manière mathématique. Et quand on fait cette traduction, parfois, il y a des pertes. Hein. Ce n'est pas complètement neutre. Alors, il y a beaucoup de scientifiques, surtout les hyper-rationalistes, qui pensent que les chiffres représentent notre monde de manière adéquate. Non. Il y a le bruit est perdu et le bruit est extrêmement important. Et donc, non seulement est-ce qu'il y a les approches algorithmiques qui peuvent être différentes et qui peuvent être plus ou moins explicables, plus ou moins compréhensibles, il y a aussi justement l'acte de cette numérisation. Il y a ce qu'on appellerait l'activation. Comment est-ce qu'on va faire ressortir ces prédictions? Quel va être le tri qu'on va faire? C'est un moment assez clé pour faire ressortir les prévisions. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ces prévisions une fois qu'on les sort? De nouveau, c'est des prévisions. Ce n'est pas une certitude. Il n'y a pas de bienveillance. C'est du simulacre. C'est de la prévision, vraiment. Et il faut comprendre qu'il y a toujours des risques quand il y a des prévisions, et donc est-ce que l'humain est inclus dans cette prise de décision finale ou pas. Donc je voulais vous faire rapidement une présentation d'une base de données et expliquer un peu où peuvent se trouver les problèmes. Donc ceci, c'est ImageNet qui a été commencé en 2009 par deux chercheuses à Stanford, et c'était un dataset qui a été fait pour le domaine de ce qu'on appelle computer vision, qui est la reconnaissance d'image. Comment est-ce qu'on arrive à entraîner des moteurs pour reconnaître l'information qui se trouve dedans? Maintenant, c'est surtout utilisé avec des approches de réseaux neuronaux, et ça utilise une hiérarchie qui est basé sur une structure lexique qui s'appelle WordNet, qui est fait par un autre chercheur à Stanford. Donc, on voit que les images sont dans un format de 125 par 125 pixels, et ils rentrent dans une hiérarchie de valeurs. Alors, quand ils ont commencé ce projet, c'était les étudiants de Stanford qui étaient chargés de labelliser ça. Mais les étudiants de Stanford coûtent très cher. Donc, très vite, ils ont commencé à trouver d'autres sources de travailleurs à travers Amazon Turk. Et ceci, c'est l'interface qui est utilisée pour attribuer les valeurs sémantiques à ces images. Alors, les personnes qui sont recrutées pour ça sont en général dans les pays où les travailleurs sont qualifiés, mais pour qui il n'y a pas assez de travail intéressant en informatique. Donc, on va se retrouver avec des pays anglophones plutôt pauvres, où les personnes qui ont des diplômes et qui ont des ordinateurs peuvent travailler, ce que Antonio Cassilli appelait les tâcherons, attribuer des valeurs à ces images pour quelques centimes par clic essentiellement. Donc, c'est un travail qui est disséminé de manière très très large. Il y a 14 millions d'images qui apparaissent maintenant dans cette base de données. Dans cette base de données, on voit que la plupart des images viennent plutôt du monde anglo-saxon. Donc, ça va être quand on va montrer une mariée, ça va être plutôt une mariée avec un style d'habit qui va venir du monde anglo-saxon, etc., etc. Ah non, c'est pas ça que je voulais.
Voilà. Alors, le problème avec ces annotations, c'est bien sûr tous ces fabuleux biais auxquels je faisais référence vont venir dans la manière dont les valeurs vont être attribuées à des images. Et donc, ceci, c'est un projet aussi par Kate Crawford, c'était une expo qui s'appelait Excavating AI, qui montrait essentiellement qu'est-ce qui se passait dans les sous-catégories, le subtree des femmes. Et on voit par exemple que les femmes très vite vont être labellisées avec des terminologies absolument atroces et que on se retrouve avec énormément de valeurs qui sont à la fois sexistes, racistes, homophobes, vraiment des terminologies absolument atroces. Et donc ils ont fait une expo en ressortant les images et les valeurs qui avaient été attribuées par tous ces annotators, hein, je ne sais même pas comment ça s'appellerait en français, les personnes qui définissent ces valeurs. Donc, l'équipe qui avait fait, qui avait commencé ImageNet, qui donc c'est des chercheurs de Stanford, ont refait un travail en 2019. Pour regarder qu'est-ce qui se passait dans cette fameuse subtree des humains dans ImageNet, et donc ils ont fait un recrutement pour leur test des annotators à travers Amazon Turk, et ils leur ont demandé est-ce que cette image est safe, donc est-ce que c'est une image qui n'est ni raciste, ni sexiste, ni homophobe, et est-ce que c'est une terminologie qu'on pourrait attribuer, sur laquelle on peut attribuer une image, donc imageable. Et donc à travers ces tests, ils sont allés de 2832 labels pour les humains à seulement 159 qui sont à la fois imageables et non sexiste, homophobe ou raciste. Voilà. Donc, à dire qu'il y a quand même un travail assez important qui doit être fait de supervision de l'information qui va rentrer dans les annotations. Donc, c'était un problème de cadrage dans ce système. Donc ça, c'est déjà la valeur qu'on va commencer à attribuer aux images. On voit aussi les bases de données qui sont utilisées, qui sont créées spécifiquement pour les entraînements de la reconnaissance du visage, par exemple, qu'il y a très peu de diversité dans les bases standardisées par défaut. Donc les questions de qui est en train de faire ces datasets doivent se poser. Quelle représentativité est-ce qu'il y a, etc., etc. Donc, il y a un autre projet par Joy Boalamwini et Tinit Gebru. Joy Boalamwini est africaine-américaine. Tinit Gebru vient de l'Éthiopie. Elle travaille dans différentes facs très prestigieuses aux États-Unis, et elle se rendait compte qu'elle avait vraiment énormément de difficultés à se faire reconnaître dans toutes les technologies de reconnaissance faciale. Donc, elles ont créé une base de données de représentativité à travers, je vous la montrerai un peu plus tard, mais ils ont créé une base de tests pour voir comment fonctionnaient les différents moteurs de reconnaissance faciale avec les différentes typologie de pigmentation de la peau. C'est un peu dur de voir là, mais qu'essentiellement, quand on est un homme blanc, ben, on a environ 1% de marge d'erreur dans la reconnaissance du genre. Et quand on arrive à des peaux de typologie plus foncée, on arrive à 12% d'erreur. Quand on est une femme plutôt claire, on va être dans les 7% d'erreurs, et quand on est une femme avec une peau plus foncée, on est plutôt dans les 35% de marge d'erreur. Et donc, on voit à travers ce travail que la représentativité, désolé, je trébuche parfois sur les gros mots, on voit que la représentativité est extrêmement importante, et que ces fameuses technologies qui sont faites par les Américains, mais qui sont exportées comme un standard technologique partout dans le monde, y compris en Asie, y compris en Afrique,
va avoir des problèmes à traiter certaines peaux qui sont plus sombres que d'autres. Voilà, et par exemple, IBM et Faces Plus, qui étaient pas plus efficaces qu'un coin toss. Voilà, vraiment très, très, très mauvaise performance. Donc, comme je disais, les filles ont créé un dataset de benchmark autour des représentants les représentants au Parlement de l'UNESCO, où justement il y a une très bonne représentativité de différentes typologies et couleurs de peau pour pouvoir tester ces fameuses technologies de reconnaissance faciale et pour voir vraiment si la performance n'est pas biaisée. Donc c'est vraiment un outil qui a été créé pour tester les biais. D'autres recherches assez intéressantes, un peu plus récentes, qui sont des tests aussi sur des représentants des États-Unis, a essayé de voir s'il y avait une différence de genre à travers les mots qui ressortaient sur les analyses d'images. Donc, c'était tous des élus des différents États américains. Ils ont vu que là, par exemple, on va attribuer des valeurs plutôt valorisantes, plutôt sur l'action, plutôt sur le poste, et les analyses des femmes va beaucoup plus se focaliser sur les apparences, description de sourire, de couleur de cheveux, bien que techniquement ce sont des postes égaux. Donc, on voit que ces valeurs qu'on a dans la société, on les retrouve dans nos outils à décision automatisée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir... je vois que ça passe très mal, donc je suis désolée, Enrica. pourquoi est-ce que c'est important cette idée de reconnaissance de genre? Parce que derrière, les outils automatisés vont avoir des traitements différents des personnes basées sur leur sexe. Donc, par exemple, une fois que Google considère à travers nos profils et nos comportements qu'on est soit un homme ou une femme, ils vont commencer à nous envoyer des pubs différentes, ils vont nous envoyer des annonces pour des postes de travail qui vont être différentes. Et ceci, derrière, a des répercussions sur le type de projection professionnelle qui peuvent être possibles derrière. C'est une des causes qui derrière, va potentiellement réduire la présence des femmes en informatique, qui était donc le sujet de ma thèse. Donc, j'ai vraiment focalisé un peu sur la base de données. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur la manière dont les données sont récoltées, la manière dont elles sont traitées, les annotations qu'on va y rajouter. Mais ce n'est pas tout. Et penser que c'est tout, c'est un peu le problème, parce qu'en réalité, la société définit les valeurs qui méritent d'être explorées. La science n'est pas une activité neutre. On va mettre les moyens, on va mettre l'argent sur les sujets qu'on considère importants. Et donc, quand on a une classe extrêmement favorisée ensemble qui sont en train de construire nos technologies du futur, il faut se poser la question de la diversité justement de ces équipes. C'est vraiment le terrain sur lequel je suis en train de travailler, ce qui est la diversification justement des profils des personnes qui créent nos outils prédictifs. Donc cette problématique est quelque chose pour moi qui est vraiment clé. Donc très vite, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je pense qu'il faut penser à conclure pour laisser le temps de la discussion. Ah ok, oui, bon ben oui, donc là c'est bon, peut-être que je vais arrêter là parce que je crois que j'ai probablement encore 30 slides, désolé. Oui, je pense que tu pourras revenir sur un certain nombre de points pendant la discussion. Pas de souci. Merci. Donc merci.